on est à Saint-Georges-de-Commiers. Si on est ici, c'est parce que je suis venue intervenir dans une classe de CE2-CM1 pour le projet Nature sans frontières. Donc c'est un projet de la métropole pour parler un petit peu de la thématique des trames vertes et bleues. On a d'abord essayé de comprendre ce que c'était les besoins des animaux. Donc on a essayé de comprendre qu'ils ont besoin de se nourrir, de se reproduire, d'avoir un habitat. Et surtout, pour accomplir tous ces besoins, ils ont besoin de se déplacer. Et c'est vraiment ce qui est important pour comprendre les corridors écologiques. Et le but, c'est de les emmener passer une journée dans la nature, dans les massifs qui entourent Grenoble. Et le but, c'est aussi de parler du déplacement des animaux, de la faune, de la flore, comment fait un chevreuil pour se déplacer de Belledonne dans le Vercors. Voilà. Donc c'est un peu parler de tout ça, et puis c'est surtout passer une journée dehors avec les enfants, qui ne sortent pas forcément toujours du cadre où ils sont, dans leur quartier ou autour, et finalement, ils vont peu dans les massifs qui entourent leur ville. Et donc, pour un peu les motiver à y aller, on utilise les transports en commun. Donc on leur montre qu'en prenant un ticket de tram, un ticket de bus, on peut aller construire une cabane dans la forêt sans avoir besoin de faire 2 heures de voiture. Voilà. C'est la génération d'après et c'est notre avenir, donc ils vont devoir aussi eux prendre des décisions pour protéger la nature à l'avenir. Donc c'est important de commencer dès le plus jeune âge pour qu'ils soient bien conscients de l'importance de la faune, de la flore et de la biodiversité en général.